Gary Koni, c'est quoi payant dans cérémonie investiture ou dis-moi ce que cérémonie installation journée qui était mercredi 12 juin 2024 là. PM Koni, monsieur, you l'autre fois encore. Li voyez gros message. Bay bandi vivent ensemble yo. PM Koni dit clairement que si moun pa entré dans gendarme et côté l'entrée en là et comme chef gouvernement li connaît quelqu'un de gros responsabilité envers nation hein, avec conseiller présidentiel yo. PM Koni dit que équipe liant pral prend toute disposition pour yo rétablir sécurité en de pays. Selon lui-même, li pas normal pour que jodian espoir tout jeune, espoir tout haïtien c'est quitter pays pour aller à l'étranger. Même les que côté au praler yo connaît que pas paradis oui. Même les que connaît côté au praler bagay yo dit tout yon bon oui. Mais yo dit que ba yo aller côté ça pour yo capable assurer avenir petit yo. Mais PM Koni dit que li pral travail avec gouvernement là. Li pral travail avec conseil présidentiel yo et tout l'état pour yo rive rétabli sécurité, rétabli autorité de l'état en de pays et pour pas pour permettre que avec un pile jeune en pile haïtien espoir au sécurité paysan li pas dit non non mais yo pral travail pour diminuer ça. Est-ce que PM Koni avec équipe client est-ce que conscient de problème qui est là, est-ce que yo wè dans quelle dimension insécurité violence grand goût calamité que peuple haïtien en dirait là jodi an nan jounekte 11 géant PM Koni prend de gros engagements pour que li permette que l'état fonctionne et que l'état bay service avec peuple haïtien. PM Koni clairement dit c'est zéro tolérance contre bandi, zéro tolérance contre question corruption en de pays. Et n'a dit clairement selon dirigeant politique Bateau Junior que nous parlons avec plusieurs fois ici dans la mesa nouvelle. Monsieur confirmé c'est plus passé une dizaine de monde que bandi vivant sans barbecue a dirigé dans Badelma qui blessé et parmi si la blessé yo gè presque 6 à 7 monde qui mouri selon Bateau Junior. Et expliquer raison qui fait moun yo mouri hein? C'est parce que moun yo yo te censé des yon ti chat blindé la police qui était en dans zone ça bandi yo au lieu que yo te tiré sous chat mais au lieu que yo te bouquet te coubal avec la police yo te préféré tirer directement sous population. Est-ce que peuple là est-ce que autorité yo a rete gade bandi yo nan jan de action sa yo. Mes amis, c'est jou kap konte. C'est le kap konte pour que officier kenyan yo débarque dans pays pour vin aider la police, aider l'armée pour battre kokè son gang parce que opération campagne débarrasser gang yo, campagne opération débarrasser les gang yo, campagne opération déchouquer gang yo. Li déjà commencé dans Solino, Delma 24, et il pral commencer prend tout reste pays. Desi commande que mon frère. La situation, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer dans Kafoua, bien que pas quelqu'un content, mais nous toutefois, mettez-nous disponibles pour venir informer amis, internautes qui tout partout, cap gardé, étendez ensemble notre information que nous présentons surtout dans Kafoua Vérité. Moment, il est arrivé, où il était nommé gouvernement, la situation. Pour être choisi pour monter le gouvernement, pour poser sa terre dans le bout de l'île, eh bien, installation arrive faite. Qui permet que ensemble ministères, c'est toujours 18 ministères
mais qui a 14 personnes qui pratiquement siégé par rapport avec portefeuille qui double dans le deuxième ministre. Peuple haïtien qui pas attendre encore. Il y a un grand goût, il y a une insécurité, il y a une insalubrité. Moun yo pratiquement tourner nomade la caillou. Yo ti yo pa katan ke ministre sa yo arrange yo après vinn prendre investiture. Yo pa même besoin prendre temps nan te kevè. Yo pa dwe même prendre temps nan couper gâteau. Yo pa même dwe prendre temps nan déboucher champagne. C'était bot yo pou yo te mettre nan pied yo pou yo prendre la ria qui pou vinn faire face avec problème que peuple a connaît qui c'est l'insécurité généralisée qui empêche yo vacuer avec activité yo. Parce que peuple haïtien pa vive. Ça k'ap viv an dan peyi a, nan kòw, nan nanm yo pa viv, et ça k'ap viv deyò yo. Ki gen un stress ki enragé. Y ap travay, yo pa ka fè progression, yo pa ka fè progrès, yo pa ka entann pou rêv ki yo te genye pou le réaliser parce que la kay gen problème. Tout ça ou gen, yo obligé investir nan moun ki la kay, soit dans l'hôpital, dans l'école, dans kidnapping, c'est diaspora. Je dis à monsieur dame ki nan gouvernement. Comme Gary Conille déclaré c'est zéro tolérance envers corruption. L'on connaît ces corruptions qui base insécurité à. Si Gary Conille tout bon vrai, veut résoudre problème corruption blesse personne, li baille l'espoir qui montre au moins que peuple haïtien sans doute par les outils dans ça que pays a trouvé là. Président ou coordonnateur actuel Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils baille responsabilité avec Gary Conille pour entendre qui cap permettre au moins que pays a tourné sous rail démocratique et résoudre problème insécurité a. Pendant le mandat de Gary Conille pour travailler en étroite collaboration avec Conseil présidentiel transition qui cap permettre que ensemble de ça qui ont gagné dans feuille de route, ensemble de ça qui ont gagné dans programme yo, yo arrivé réaliser ensemble dans intérêt peuple haïtien. Gen Gary Jean-Baptiste SPNH 17 Blaise Peterson. Li pa mette de l'eau dans bouche pour passer prend France LB. Autorité qui dans recommandement la police. Qui a dit que Opral menait enquête. Gary Jean-Baptiste dit barbecue dit c'est lui-même qui touyer policier avec équipe lui mandé avec la police pour al cadavre. Il dit en pile fois les policiers c'est toujours comme ça. C'est toujours enquête par exemple aboutit avec rien et selon Gary Jean-Baptiste c'est dernière fois que ça a privé. La situation depuis après publication dans les moniteurs non ensemble ministre qui fait partie gouvernement Colina Golobey dans directoire parti petite Dessaline causé après la rue. C'est attends tu pas comblé. En pile dans nèg qui ça te met la même. Ça te met la même. Bon, attendez, c'est ministère d'intérieur t'a filé. Eh mais qui est en mairie? Qui est en mairie parce que à délégation départementale parce que c'est ça au besoin. Qui est en bataille après péter. Bataille après éclater pirette blessé personne, ça veut dire ouais pays ça, la marché de instabilité à instabilité. Moi zami internet cap garder cap tendez yo tendez revendication mesdames yo surtout organisation femme madame Sarayo yo dit ministre que yo mette dans ministère condition femme ak droit femme nan li pas reflété avec revendication parce que c'est pas moun yo te jan mwen qui te accompagner yo dans quatre mouvements yo dans secteur ça c'est même genre monsieur dame et sous point ça des Ivenes bon mouti motion gagné militant droit femme qui c'est Novia Augustin li même loge li même sous et conseiller le général Gilles pour faire connaître que Marie-François Suzanne qui c'est ministre condition femme là et pour écolier bon et pour me répéter et pour me citer Novia Augustin et comme militant droit femme dans Haïti. Bon, n'a pas besoin. Eh bien, tes amis, cocotte de Gabriel, bah cocubine simine là et comment toi t'es encore toi la simine non, il a dit bah là encore. Vous calmez la cantave. Ou après, yo consentant, les consentants. Et bah ti bah oui, exactement. Ménage consentant, ti boubou de consentant. Ouais. Ça veut dire n'a gars arrangé là pendant ces conseils présidentiels, là au passé non ministère pour qu'a font peser. Au moins faut que je nos côté pour font peser. Pour pas la justice avec pour seulement. Dieu moun pa yo depuis notre dictat, depuis les petits comme d'ab pour ma bérégène, eh bien, il y a pas tant ni entre yo. Je dis c'est pas ça pays a besoin. Pays a besoin de monde qui honnête, de monde qui cap vinn bataille pour venir résoudre problème qui est là, mais c'est pas groupe monde qui a venir régler bagaille ti ménage, bagaille ti amis parce que pays a souffre trop. Gagne divers direction départementale en dedans pays en des personnes, malgré direction générale, te dit que yo te campé sur toute activité officielle que tu as fait, mais direction départementale police yo dit yo pas la quitter, je vois passer ça fait gagne divers yo qui chantait mes actions de grâce pour réfléchir sous mauvais moment que PNH la connaît depuis un bon bout de temps. Si on va aborder pour résoudre problème si là, et me blesse personne, nous pour analyser, nous pour questionner pendant zami internet pour attendre ensemble des discours, ensemble monde qui parlait dans journée installation, ensemble position qui prend, qui sa position est, qui sa côté
Est-ce que nous avons l'espoir? Est-ce qu'à travers le discours, l'idine, c'est l'autorité qui marie avec le chef, qui parle, qui vous permet que les bandits, nous avons distribué les armes en deux pays pour assumer les responsabilités. Et faut que nous surtout, il y a divers militants qui te foutent le béton devant la villa d'accueil, qui m'ont arrêté André Michel. André Michel est dedans? Bon, sans doute André Michel est dedans. Si militants qui ont manifesté pour la commande de Marie André Michel, il est dedans. André Michel l'a passé. Militant a dit, vite l'homme innocent, t'es déclaré, c'est André Michel qui mettait le côté d'IA. Eh bien, peut-être ça, militant a demandé, faut que marie André Michel, qui va permettre que le pays associe dans la situation qu'il y a, parce que c'est une exemple, c'est payable la situation. Désir, avant qu'elle mène avec une déclaration, bien, allocution, discours, et président Edgar Leblanc-Fils, et PM Gary Koni, ma, à travers l'émission ça, m'a servi de voix PAM. Et moi, c'est que Desi Venesse a d'accord avec moi. Ça m'a dit là. Diaspora haïtien, qui surtout États-Unis, t'as pris souple, ben peuple haïtien chance dans bagay ça. Au contraire, si nous connaissons étrangers qui ont même rentré dans le genre de pratique ça, dénoncé, mandé pour arrêter. Vous savez ça me dit bien? Diaspora haïtien. En pile nan nous, m'a généraliser. M'a généraliser. OK? En pile nan nous qui vivent États-Unis. Qui entre dans commerce zam en Haïti. T'as pris souple. Ça qui a passé la canne en Haïtien, nous pas innocent là-dedans. Et je dénonce nous en pile fois qui implique dans question ça. Et si toutefois que nous avons un étranger qui n'a commencé sorti des États-Unis pour aller à Haïti, t'as pris souple, au contraire dénoncé. Et ça m'a dit, pourquoi ça m'a dit? C'est parce que nous apprenons. La police n'a qu'à pas ici. Ache douanier. Ache douanier. Yo rive saisi. M'a dicté. Combien? M'a dicté 9? 9 ou 10, m'a changé. Eh bien, yo rive saisi. Non contene. Qui sorti États-Unis. Pour entrer Haïti. Qui entre Haïti. Non contene ça. Yo jouen. 10 chargeurs ZAM 9 mm. 157 cartouches. Parmi eux, il y a 100 calibre 9 mm. 50 calibre 38. Et 7 calibre 12. Mes amis, diaspora en pile dans nous, toujours dit que nous besoin rentrer la caille. Nous besoin à louer la caille parce qu'on quitte la caille trop longtemps. Nous gè maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine nous qui en Haïti. Nous gè bien nous en Haïti. Pas vrai? Mais si je dis, nous besoin faire tout ça yo. En pile nan nous. En six pour manifester mauvaise volonté pour ne pas voir examen en Haïti mes amis. Parce que chaque cas tout ça yo. C'est la vie au monde que lire. Chaque katou sa yo, c'est au moun y a tout à Haïti. Si que yo te quelque chose passé pour aller à jeune moun sa yo. Et bien, n'a dit que insécurité qui gagne Haïti a, que comme s'il fait nous mal. Mais s'il fait nous mal, c'est vrai qu'on fait nous mal. Ça qui va impliquer dans baï sa yo. Mais en nous tout ça qui va impliquer yo, en nous dénoncer, en nous mander pour que gè kote kol ki mette et pour rive fouke arrêter et décider question ça question un groupe haïtien mélangé avec un ensemble étranger États-Unis surtout pour avoir zam al van en Haïti mais c'est pas normal en bataille contre ça désir ça comprendre de ça frère avant que nous venions avec mon déclaration mon la situation modèle bataille contre insécurité. Nous disons ça tout le temps ici. Diaspora,
li mérite pour le jouer rôle par la donne et au capable non aider identifier parce que mon cap et pas aider que Joseph Lamont non ba écoute mais non permettre que yo découvri toutes les effets toute maçon de pays tout criminel qui cassé en dedans communauté internationale là qui fait trafic zam en dedans pays là tout monde qui dans communauté a pas connaît mais a bon monde qui partage même espace cap connaît zaxi là parce que il fait nous plus mal qu'il fait nous bien quand c'est la vie qui a prouvé en dedans pays c'est pas pays d'Haïti qui fabrique cartouche c'est pas pays d'Haïti qui fabrique zam yo aussi quelque part yo gagne des monde même que c'est à des comme je yo pratiquement des pratiques là avec des haïtiens qui compte terrain bien qui compte groupe moun yo bien pour cap faire distribution yo pour permettre que nous gagne l'eau dans yeux nous policiers qui sont mourir yo c'est cartouche qui touye yo c'est zam illégal qui touye yo zam illégal c'est poison ou même cap faire pratique ça garde tête dans miroir mets toi en position moun son cap mourir mets ton petit tout mets ton neveu mets ton nièce ou mets madame ou mets maman ou mets papa ou a privé comprendre qui douleur si là qui a victime ou va suspendre avec trafic zamandé dans pays d'Haïti. Laisse tes son. Désir, on va venir avec monsieur Sayo à la fois président conseil et puis et PM Gaïkouni ensemble que n'gal tande yo et on croit que ni moi ni Désir n'a pas de réaction de Sayo diyan et comment que nous-mêmes nous comprendre ça dit Désir Venez. Mais entre-temps, n'a dit avec chaque grain de monde. Prends temps de prendre ça nous pour que nous capable tendre PM Koni. Pour que nous capable tendre et Edgar Leblanc fils comme président conseil présidentiel. Et moi que c'est important pour nous dire monde ça yo. Et nous même trou. Nous avons tout droit pour nous faire des réactions sur ça. Et puis tout, pour nous dire qui ça attend nous y est. Entendez moun sa. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert dans sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koni, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc lié aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régi par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer. La tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent.
Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Ça, c'est parole président conseil, hein? Edgar Leblanc-Fils, qui s'est représentant collectif à 30 janvier, lit clairement la partie créole, hein? Puisque discours ayant de langue différente, il dit que yo doit travailler ensemble pour que transition soit capable de réussir. Elle dit l'être avant, ça veut dire ni la primature et la présidence. Yo doit travailler en parfaite collaboration. Yo doit travailler en parfaite tête ensemble pour yo arriver résoudre, pour yo arriver permettre que situation gain là en dans pays que ça Haïti a connait là. Ça Haïti a vivre là pour que problème ça résoudre. Mais là dit que avec conseil et gouvernement qui déjà installé que ça gagne là en face, ça gagne là dans le pays, hein? Moi souhaite que yo well, yo comprenne et yo dit tête yo que yo pral agir contre lui. Yo well, yo comprenne et yo dit tête yo que yo pral agir contre lui. Parce que li vraiment important et nous pas capable accepter si tirer ça des jeunes. Modèle situation qui gagne. Je pense que dans le discours, Gary Conny tout fait une annonce. En manquant, tu as gagné un petit désaccord entre la primature et la présidence. Bah, la Kamwen Gomen, qui est-ce qui peut aller pour responsable? C'est peuple haïtien qui peut aller continuer la victime. Question de travail en étroite collaboration, il revient avec le conseil présidentiel de transition et la primature pour chercher moyen. Pour chercher manière, pour toujours gagner harmonie dans le temps, parce que c'est Youn qui a choisi l'autre par rapport avec ça qu'elle t'a présenté comme programme, comme capacité et volonté pour venir servir. À moins que Youn d'accord, Youn sous même bateau, échec, la primature, c'est échec conseil présidentiel de transition, échec conseil présidentiel de transition, c'est échec Gary Conny. Ça veut dire qu'il y a intérêt pour le travail en étroite collaboration. Surtout, là où on peuple qui n'est pas capable encore, on peuple qui bouquet, on peuple qui tenait réfugié dans le pays. La cour qui était quartier ça, libéral réfugié, non l'autre quartier, parce que l'estimé dans son sac qu'il y a de sécurité. M'a toujours rappelé, conseil présidentiel de transition, gouvernement connu, gagné sous pointe, trois cadavres à Itag qui sont morts dans des maillots. Mounio soifé de justice, surtout la police a soifé de justice, parce que depuis un bon bout de temps, les policiers ont mouru dans le cadre d'exercice fonctionnel, c'est toujours l'enquête, c'est foutu. Malgré qu'on connaît qui est ce qui touye yo, yo a dans qui condition que yo mouri, ça lui permet en pile fois, hostilité bon côté policier, démotivation bon côté policier, et bien conseil présidentiel de transition, gouvernement en général, qui a une responsabilité pour permettre que ça marche. Yo permettre que ça marche. Edgar Leblanc-Fils, espérer que vous gagnez qualité ou gagnez position de loyauté, honnêteté, bon côté. Parce que vous avez cause qui a parlé là, qui fait quoi que l'Obert a pété pire, dans ça qui vient pour avec question présidence tout dans le temps. Vous qui a conseillé Edgar Leblanc-Fils pour le Kembe, président ça pour jusqu'à ce que fait transition. Et s'il t'a marché dans sa blesse personne, libéral, que situation quatre fois compliquée. C'est ça que vous avez besoin entre vous, blesse personne. Oui, Desi Venès, n'a dit clairement que. Ça, li encore plus important pour que yo rive réussi. Et l'aime dit réussi, c'est pas réussi pour faire plaisir, non, mais réussi pour permettre que, avec ça, yo dit yo gen comme mission, hein? Avec ça, yo dit que yo pral permettre que yo réagisse sur lien, hein? Mais clairement que, faut que yo connaît que ça qui est la papiti. Ok, li papiti, parce que je dis, hein, peuple haïtien, hein, li besoin que ensemble de moun sa yo, ensemble acteurs sa yo que yo essayer comprendre que yo essayer garder dans qui niveau que problème pa li même capable résoudre et je dis en a dit clairement des Ivonnes c'est ensemble de acteurs sa yo c'est ensemble de moun sa yo
qui comprend que non ça a comme responsabilité, non ça a comme action que t'as déposé pour permettre que insécurité et ensemble problème qui gagne là est capable de résoudre des événements. Désir, en attendant que nous allons venir avec PM Gaïkouni, parce que là, il faut nous joindre, mais nous avons dit clairement des événements que la situation est encore plus compliquée, mon frère. Bon, c'est pour compliqué, il paraît très, très, très compliqué. Côté où bon pays qui gagne force, l'audio qui pratiquement démotivé par rapport à la situation qui gagne, il y a prétendu venir une mission que le pays Kenya a gagné pour le diriger. Malheureusement, en plus fois que vous attendez des retards qui a gagné dans la question de mission qui a devenu, et nek qui gagne amis qui dans différents quartiers populaires, y a déclaré hostilité contre force de l'audio, contre population qui rend que la vie 4 fois plus difficile. Grand goût, la vie chère, bah la pas douce du tout. Et il y a autre justice dans le pays Kenya qui entend yo pour capable de juger sur ça qui est pour avec déploiement mission multinationale et action pour qui doit venir dans le pays. Il dit que inconstitutionnel, illégal, invalide. Et yo entend yo capable de prononcer sous question ça dans journée ça qui c'est journée et 12 juin vous tapez c'est donc regarder étape qui a franchi dans quatre dossiers ça. Est-ce que Kounia nous capable prévoir on l'autre retard encore après deux semaines président et pays Kenya te dit pour question mission te déplotonner quand dans pays pendant même que tu gagne avantage babé moustache sous ça qui aussi comme accord pour venir mission dans pays parce que déplacement William Ruto président pays Kenya pour aller Washington DC il te veut dire ça veut dire l'hypothèse à de côté pour pays Kenya pendant peuple haïtien continue à prétendre mission pour venir blesser personne en mine avec Gaïkouni Kounia le premier ministre haïtien sortant mesdames messieurs les membres du gouvernement sortant monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des... Non, malheureusement, Blaise, si m'pas, sans problème, oui, là. Sans problème, oui. Bonne difficulté. Faut nous chercher. Libon, là. Libon, médecin, feuille. Je ne sais pas comment on bon micro. Libon, médecin, moderne. Mes amis, technique, terre, je ne sais pas comment on bon micro, non? Elle dit, même une bonne installation, elle ne peut pas faire pour permettre que, comme si, pas qu'il y ait ça, non? N'entends ça. La télévision nationale d'Haïti. N'entends ça. Elle ne peut pas faire une bonne installation pour résoudre le problème, ça. Mais attendez, Blaise, c'est question corruption. C'est la corruption qui empêche ça. Parce que Radio l'État, l'État de radio des radios. Exactement. Pays, malheureusement, ouais, c'est presque ces radios privées qui font ensemble des tabassons qui viennent. C'est la corruption qui cause. On avance avec EPM Kony. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Oui. On va avancer, Désir Venesse. Faut que nous bon tout la volonté nous et faut que nous bon tout l'honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, il y a mis dehors, même le dans le pays. Le groupe monde qui plus souffrir, généralement, c'est les paysans. Il y a toujours un problème social. Mais je ne j'en dis, après plus passé 200 ans, société noire gagne net. Moun pa vivre dans la paix. Moun pa ka circuler libre. Si moun pa ka à l'école, machan pa ka vendre produit pour prendre soin famille. Bandi a marché touye moun lè yo vle, jan yo vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour partir. Même là, on est l'autre bord pas douce. Pays étranger pas paradis. Yo dit, y a pas qu'à jeune travail et puis vivre tranquille.
qu'on s'appétit yo a bien plus chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassements, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années.
La désir ap d'accord avec que PM koni monsieur dit que pas gen aucun progrès durable cap ka fait dans pays ça si pas gen sécurité. Li conscient que la police là l'armée a besoin moyen pour capable atterrir avec mission yo. Il promet avec gouvernement là et puis conseil présidentiel yo pour yo permettre peuple haïtien alors policier avec l'armée yon, gen bon jan matériel nan men yo pour yo rive maté secouer question insécurité. Et dans même occasion qui c'était mercredi 12 juin li koubil bien bas pour salir mémoire trois vaillants policiers mouri nan dimanche dans Delma 1800 filan et tout nan mémoire tout policier mouri tout monde qui mouri en baba el bandi. Et li encore montré que défi sécurité yon, chantier sécurité yon, li c'est un gros chantier capitaine pouvoir là capitaine gouvernement là et comme chef CSPN. Est-ce que koni pral rive vraiment mettre en application pral rive répondre avec exigence sa gen là qui s'établit sécurité yon? N'a posé question sur sa désir. Très bien. Tu as la sécurité à Bessie Tesson, il n'y a pas prêté chita en dans discours. Il a mis en pratique, c'est tout acteur, tout secteur qui veut comprendre que sécurité, c'est le premier bien public. Yeah. Il a arrivé conscience sur ça. Il est d'accord. N'est-ce que dans le secteur privé des affaires là, il n'y a pas de question acheter des armes pour revendre en d'un pays. Il n'y a pas de question de contrebande à travers port, à travers douane. Il permet que vous franchissez ensemble étapes légales qui permettent au moins que le pays ait rentré l'argent. Côté papa, il y a une corruption et les gens qui connaissent ces corrupteurs, il faut qu'ils arrangent pour permettre toujours une instabilité. C'est juste ça. Nous avons besoin de comprendre que nous avons sorti côté nous hier. Jusqu'à présent, Gary Koni parle, tout le monde comprend, tout le monde entendait. Il y a Gary Koni qui a un discours qui cadre avec la situation que le pays a fait face à des personnes. Est-ce que à travers discours ça, nous avons dit automatiquement le problème pays a résolu? Moi-même, je dis non. Peut-être Gary Koni qui a bien volonté, parce que l'a gardé, les gens qui sont dans la classe moyenne, qui n'ont pas qu'à déplacer. Et si là, au cap courir, qui peut aller et aux États-Unis, Canada, ou bien qui a déplacé pour aller dans n'importe pays dans le monde là, et Gary Koni considéré qui pas paradis. Vrai paradis, chaque grain citoyen, c'est la caillou côté l'ombre tout coupé, c'est la caillou cap entendre, dans bataille, dans développement, c'est la caillou bien qui pour exactement. Il n'y a pas même gens avec États-Unis d'Amérique, ou acheter caillou là, ou obligé de payer chaque fois pendant ce caillou acheter. Mais l'on fait caillou en Haïti, ou connaissez vrai que vous devez payer taxes. Ou de payer impôt et sous cala. Impôt locatif, ou à payer. OK? Ou à payer l'État. Mais ce n'est pas dans le niveau qu'il y a. Qui rend que situation très compliquée. Li pas paradis à vraiment. Ou juste travail pour cap manger et pour garantir que vous faites quantité de temps que bon Dieu te veut faire. Parce que si vous êtes en Haïti, situation très difficile. Là, ce n'est pas mal fait qui en va ou c'est un examen qui en va ou qui vous êtes lavé. Mais même parce que c'est entendre à travers le discours que vous faites payer Mgoni. C'est permettre que tout le monde qui vive sous pays, c'est vrai que vous n'avez pas besoin égal, mais rendre tout le monde des possibilités pour rejoindre une mieux. Pour le monde où est, déplacer quitter pays pour voyager pour aller dans l'autre pays, c'est juste un coup de choisi. OK? Parce que nous, ce n'est pas sans raison que vous avez une belle des Antilles, c'est une possibilité. C'est avec Haïtiens que vous avez une belle des Antilles. Ça veut dire, c'est possible pour nous faire. C'est besoin tout simplement pour nous questionner niveau conscience que nous gagnons. Niveau honnêteté, chaque fois que nous arrivons dans l'administration publique, là, chaque fois que nous arrivons dans la boîte d'État, pour ne pas dire que la boîte d'État sont vaches à lait, ou bien bon profiter, côté nous arrivons là, je ne dois pas arriver là encore, bon tout profiter, faire tout ça, je pour me faire. Mais c'est la mieux besoin, mettez ça au de côté. Ouais, ensemble de ça, que Gary Koni avance là, libre à jouer en pile contrainte. Parce que, il y a le conseil présidentiel de transition qui parle de même vision avec Gary Koni. Parce que, il y a là qui connaît, lui vient là, non, 9 membres qui l'ont, c'est pour créer conditions pour aller faire va sur l'élection pour aller faire la des personnes. Parce que, songez que le gouvernement, ça,
bureaucratiquement gagne mission pour tabli sécurité organiser élection que toutefois yo pas tabli sécurité élection pral pas ka fait li pral nous pral arriver dans situation pour trouver même gens que Jean Théo Ariel Henri t'a fait là qui pral rendre que situation peuple a vienne 4 fois plus compliqué et même plus dur rendre plus beaucoup plus monde pral mourir parce que pral gagne plus conflit d'intérêt chaque conseiller yo pratiquement gagne yo envie chaque conseiller yo pratiquement bon attente yo go équipe moun ki dépendé yo que yo doit combler attention ça que pral gagne déchiré c'est ça que opposition pral multiplier par plusieurs de ces petites branches en dans pays c'est avec prudence avec pincette pour gagne koni li avancer ka permettre que lui-même s'il gagne yon agenda qui peut être en dehors des agenda accord 3 avril 2024 là pour qu'arriver appliquer parce que ça qui pi bon ça cap en faveur peuple c'est même qui doit appliquer les situations en avance avec gagne koni. Pendant qu'il t'a observé, une minute de silence dans mémoire policier mouri sans filio et tout le policier mouri dans mauvaise condition et moun ki mouri tout en bas balbandi, un moment silence ça. Il t'a observé dans toute salle là côté que t'a fait s'annuler. C'est mon investiteur PM Gary Koni dans moment côté que lui-même c'est lui qui est gouverneur et gouvernement là avec 14 ministres en réduit c'est que il y a 18 ministères mais yo fait que des ministres cap gérer deux ministères en bas mais yo c'est-à-dire que jodi an c'est ça pour nous garder ça pour nous comprendre que pays an est-ce que ensemble après installation ça prêt que ça n'est de parce qu'il va le bail est-ce que déjà va commencer mettre le travail c'est ça PM connu lui-même je disais donc la sécurité d'abord sécurité d'abord mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir
et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. Mm-hmm. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Mm-hmm. Nous devons y travailler urgentement et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Mm-hmm. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Mm-hmm. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Mm-hmm. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Okay, nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Mm-hmm. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Mm-hmm. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelons des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que l'épifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, nous t'en ébada. M'abdi nous, ça a fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis peuple a qu'un défi à tel niveau, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous gagne à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jump, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi ba nous garanti que moi paré pour me goumer. Ah bon? Pays a tout moi paré pour me goumer. Pays a tout même moi pour me corriger conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout haïtien qui vive à cœur posé dans un pays qui uni, qui gagne sécurité côté nous tout ensemble à poté coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens, tout partout sous la terre, moi je voulais couper bien bas pour nous remercier pour la confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, t'es venu faire. Nous avons une mission pour changer ça avec.
peuple là, femme yo, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous voulons faire ça capable pour faire l'union, vivre, pour faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toutes raisons qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire l'amour et lui fait quoi que pas grand rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. PM Koni décide dit clairement que l'y paraît pour le gourmet et le gal gourmet. Bon, mec, dis-le. PM Koni dit que. Il paye pour le gourmet et il prend le gourmet avec Bandio. Sauf qu'il a besoin de collaboration peuple haïtien des Yvenes. Paul Jogue là. Paul Jogue là, t'es devant Villa d'Akéry. Oui, Paul Jogue était là. Je vais venir avec Paul Jogue. Je vais avancer vous-même. Monsieur déclaré que c'est bon Dieu qui revoit Gary Koni parce que Gary Koni était en coma. Et il a déclaré que c'est tout qui était tout Gary Koni. Paul Jogue, oui. Bon, c'est ça la déclaration. La situation, volonté populaire, là, il t'a plus que présent pour accompagner Gary Koni s'il se bataille. T'as comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas dans ça qui est écrit dans le papier qui nous met là. Ce n'est pas dans la théorie qui est l'été. Nous-mêmes, nous avons tant de pratique là. Parce que pratique, c'est sous béton lié. Pratique, là, c'est dans la bataille pour résoudre le problème dans tout le monde. Pour attaquer les cap Banzab, pour attaquer les cap faire concurrence déloyale dans le secteur privé des affaires. Nek ki Antonio, ou tous les effets Isagoloray, qui empêche que la police en travaille, matériel la police en amène, pratiquement y a utilisé pour faire l'autre bagaille, pendant que nous avons continué à mourir, c'est là nous avons Koni Petel dans la direction ça. Là, ça n'a pas quoi dans le discours que Koni partage. Mais nous avons validé notre bénéfice du doute. Parce que même beaucoup de monde qui conduit le pays dans la situation qu'il y a, en pile dans le secteur, en pile dans l'artère, disait qui conduit, Gary Koni vient là, si mettre la santé le bouquet, l'expression, les cap vini avec version Gary Koni pour résoudre le problème, pour mettre en fait, dans ce ça, peut-être nous allons cap vini après avec l'expression. Bon, peine de dégâts et Paul Zio, je bats à la soirée, mesdames. À vous, le tu fini. Merci, bon Dieu, merci, parce que vous voyez PM Gary Koni tourner pour nous. Femme tout bien. Mais qui est-ce qui vient au-dessus des yeux? Gary Koni, il passe une heure comme oui. C'est réanimé, c'est comme si c'est grâce avec Papa Bontier qui fait le retourner là. Parce que n'est-ce pas tellement méchant? N'est-ce pas tellement méchant? PM Gary Koni qui est un pirole dans l'hôtel El Rancho Petroville. Mais si c'est malfaite, c'est dans l'hôtel El Rancho. Il y a une chambre dans le moment. C'est quoi pour le catouiller PM Gary Koni? Et tout le monde, ça veut dire El Rancho, c'est tout malfaite net en l'air. Tout malfaite, il y a une chambre en l'air. Je profite à payer une chambre dans le moment. Une façon pour. Et ça, monsieur, c'est encore pas de vérité, vrai. Et, dès que dans l'information, il n'y a pas de lègue là, il profite pendant PM dans l'air, il y a le chemin là, comme si, pour les opérales bien, la piste pour PM dans le les PM n'ont pas sorti, puis PM dans le. Et vraiment, c'est ça, monsieur, dis-en, non? Il n'y a pas de photo à faire. Et comme tout bien, il passe une heure de temps, il mourit, ça veut dire pas de gaffe, PM Gaïkoni, encore. C'est grâce! C'est grâce avec Papa Bonti. C'est grâce avec mon grand maître, pour ce grand maître qui a la prière. Donc, nous avons bien pouvoir dans le pays d'Haïti, c'est bon bagage qui, je ne comprends pas. Nous avons fait un bail mystique. Dans ce sens, nous avons fait un dialogue. Nous avons fait un retourner. Nous avons ensemble des problèmes qui peuvent résoudre. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas venus comme ça. Il faut nous bien. Il y a des gens qui disent, oh, mais tu vas pas mettre le tournée. Non, ils ont fait appel avec moi. Ils ont fait appel avec moi. Déjà, je te dis ça déjà. Ça veut dire gouvernement, ça c'est gouvernement lié. C'est gouvernement lié, c'est ça qu'il faut regarder. Non, mais qui nous allons aller mettre le gouvernement ça là. Sauf que c'est pas. Qu'est-ce que vous avez posé là? Comment on se toujours dit après installation PM? Eh mais on va attendre de nous faire changement, c'est tout le monde qui est content. Avec des gens qui étaient malades, qui tout guéri là, parce que yo PM Gary Koni là. Parce que comme tout bien. C'est un comme d'adou, il n'y a pas qu'on commence le travail, c'est un comme d'adou, tout bagage est possible pour lui. Ça veut dire peuple là ensemble avec PM Gary Koni. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau parti politique et soit démocratique. N'a pas dit avec tout le monde, restez tête prête, PM Gary Koni, retournez là pour le travail. Nous avons besoin de mettre, parce que soit les mettre là, pas oublier. Politique là-dedans, tout le monde là-dedans net, dans ce sens, on a dit avec tout le monde qui a joué nos bagailles, j'ai satisfaction pour un pile militant tout, qui est parti politique, et c'est la première fois que nous avons pouvoir comme ça, et bien, faire PM Gary Koni. Après, monsieur, c'est la première fois que nous avons pouvoir comme ça, mais c'est côté Ariel.
Ah, mais c'est passé, hier. Peut-être ça a fait plus l'argent, ça a fait plus avantage. C'est la première fois où il y a eu le pouvoir comme ça. Mais ouais, ouais, mouvement pour le tuer, il y a eu un peu de merci. C'était bon, même, et même ça, c'était qu'on a dit qu'il y a eu. Ah oui, en avance, c'est quoi, Zio? Confiance que nous mettons pas longtemps là en pile bagaille pour délivrer. En pile bagaille. On continue le travail volontairement ou on va. Non, c'est pas volontairement, ça veut dire comme vous, on fait appel avec moi. On fait appel avec moi. C'est pas tant que l'on a parlé comme ça. On fait appel avec moi. Ça veut dire officiel. Hein? Officiel? Non, nous avons quelques bagailles. Nous demandons, par exemple, nous demandons, malgré PM Gaïkoni qui a dit nous ça, PM Ariel Henry pour retourner. Ça veut dire, ça c'est une condition de demander. Je dis qu'il faut retourner, mais il n'y a pas pour les mouvements. Il n'y a pas pour qu'on y a là. Après, le gouvernement fin obligé stable, ça veut dire la vie nous présente. Et bien, dans ce sens, nous-mêmes, étant que nous, c'est ça qui fait tout, nous commençons le travail, nous commençons à faire travail par moi. Et je suis content de toute façon de commencer le travail. Malgré beaucoup officiellement, il n'y a pas de possibilité ensemble avec moi, mais je vais commencer le travail. Ça veut dire comme si, par rapport avec nous défendre pour le gouvernement, pour sortir de la salle là, et nous dit PM Gaïkoni, ou mettre tes frères, moi, je ne vais pas mettre des poches, Jean-Baptiste, ma veille. Et peuple ensemble avec vous, il y a tant de élections parce que moi j'ai pas là. Et le peuple là, et il faut sortir après l'entrée là. Il faut nous oublier là, dans le moment où je parle avec vous, dans le moment où je parle avec vous là, c'est ça qui fait obligé de supporter PM Gaïkoni là pour faire vite pour organiser l'élection. Parce que moi-même, je suis candidat, ça veut dire que je vais prendre l'élection. Pour qui passe? Moi, c'est le peuple là qui fait. Depuis soir, il y a un travail pour le peuple jusqu'à présent, oui, mais qui va vous réaliser même? Et bien avant de nous faire appel à la force étrangère pour qu'ils entrent là, pour venir aider nous, ça veut dire. Et pas ça, mais où est-ce qu'il faut qu'il fasse? Vous avez besoin d'appel. Non, mon cher, et bien tout ce travail nous te fait, et mais c'est une attente là. Nous te disons, pour le travail qui nous te fait avant, par exemple, force là, nous te fait des mains de force là. Et bien, et pas force là, tout le monde attend. Et bien, pour la vidéo d'hier là, là, n'a pas les blancs, et pas blanc retiré, et pas blanc mettre. Finalement, ça gagne. Si blanc te mettons moun, il retire, il mettons l'autre. Et bien, n'a toujours. Ça, c'est Paul Jean-Baptiste des Ivenes. Et vraiment, c'est pas sérieux. Blanc retire, blanc mette, frère. Non, monsieur, t'as dit. Non. Monsieur, t'as dit ça, oui. Monsieur, t'as dit, retire Ariel. Y'a pas nous l'autre Ariel. Retire l'autre Ariel. Y'a pas l'autre Ariel encore. Monsieur, t'as dit ça, oui. Et nous t'avons ignoré de ça, mais il t'a dit, lui. Il t'a dit. Désir qu'on a en venir avec et tout ça et qui c'est comme si on a encore il a parlé des espérages 17 et Gary Jean-Baptiste, Gary Jean-Baptiste exactement dans l'occasion qui était mercredi 12 juin qui était marqué 29e année existence de la police non c'est que la police générale la police nationale d'Haïti et par autorité il va faire aucune activité officielle il était obligé d'annuler ça parce que à qui courage que d'après faire activité officielle pendant que gagne trois policiers qui n'ont même pas dit vivant sans barbecue dans Badelma gagne une qui couchait sous deux cabanes l'hôpital yo boulé char la police yo boulé yo prend zam policier qui ont tué yo nous t'a pas regardé à qui figure qui visage que yo t'a pas organiser activité bien que jusqu'à présent ensemble de voir continuer à pleuver pour exiger Sandrelé démission France LB et puis arrestation et toute chaîne commande de la police. On nous vient avec Gary Jean-Baptiste, qui est conseiller SPNH 17, qui est un syndicat de la police, parce qu'à côté de SPNH 17, il y a Sinapoua, qui est Lionel Lazare, qui est ses coordonnateurs. Mais là, on vient avec Gary Jean-Baptiste comme conseiller SPNH 17, dans l'occasion 29 années de la police, non, qui t'a placé mon père. On regarde comment ça y est avec Gary Jean-Baptiste. Est-ce que il y a un chrétien vivant qui doit. Comme ça, est-ce que vous chrétiens vivants, le monde nous a gardé, qui doit subir ça? Est-ce que nous devons être bras croisés? Qui est ce monde pour t'a dégager la police? Ou t'a directeur départemental de l'Ouest 1? Ou t'a DCPA? Si vous avez tout le cœur pour garder pour un jeune garçon, ça a lâché, brûlé et ça. Où est-ce que vous? Qui est ce monde? Pour qu'il y ait quelqu'un comme ça, pour croiser les bras, pour dire faire enquête. Qui enquête? Parce que le monde qui fait ça là, disait les fait, elle dit, n'a pas de dans la police, il n'y a pas d'inspection générale. Depuis c'est le chef qui fait le bagage, il fait le net. Même si ça le fait, tout le bagage va se bien. Nous avons un cas, côté, nous avons M. Joliquet,
sous Métivier Pétionville passé, nous dénoncer comme autorité. Ils ont retiré le commissaire Pétionville là, ils ont retiré M. Joliquet, ils ont voyé le Sud-Est. Avant hier, les policiers Moyo, si c'est trop bâton, ils ont campé, ils ont levé campé. Ils ont dit, il a subi maltraitance, il n'y a pas joué, ça a besoin de travail, ça a mis dans le meilleur. Ça veut dire, nous, la police, c'est échoué à gauche, voyez à droite, c'est même cette équipe-là. Depuis où c'est cette équipe LB, DGLB, pas de problème, même si pas de résultat, ou là. Et c'est pour ça que depuis en pile temps. Et c'est ça qui mène la police à côté de lui, je veux dire. 29 ans après, nous sortis depuis notre agent 1. Nous présentons tout ça. Vous pensez que nous avons fini? Non! Mais la police, ce n'est pas seulement agent qui nous obéit, qui nous est spécialisé, qui nous est. Ce n'est pas seulement agent soit qui mort, ce n'est pas seulement boy. Bon, bon, bon chef de la police qui mourit. Il a mouru. Personne ne m'a dit rien pour eux. Je présente au monsieur ça. Commissaire principal, Robert Plaisimo, il a assassiné Tabac. Il était dans des AB. Rien n'est pas dit pour lui. Inspection générale, la justice n'a pas dit rien. Nous, bons policiers, je veux dire, nous le présentons. Qui c'est? Commissaire Harry Mouton, aussi, commissaire divisionnaire, il est responsable académique. C'est l'un des policiers bien formés dans la police là. Vous pensez que c'est agent 1, agent 2, agent 3, inspecteur Léo Mouillon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de justice, pas de inspection générale, pas d'enquête. Et commissaire divisionnaire Harry Mouton, Mouillon, bon académien. Je voulais le dire, avec un petit bonheur. 29 ans la police là, lui, son, lui vivait aujourd'hui à la situation de Rivière, parce que la police a bien longtemps, lui prend en otage. Non seulement activistes politiques, politiciens corrompus, mais nous avons eu un premier moment, surtout, côté ancien militaire de la police là, en otage. Fait aujourd'hui à la police d'Italie. La police nationale d'Haïti, je dis, les policiers n'ont pas gagné assurance. 29 ans après, la police n'a pas une clinique. Si les policiers sont blessés, tout le monde soin. 29 ans après, c'est Dieu. Policier, la police n'a pas gagné, même si ils ont une école de police. Parce que ça nous gagne, nous relève l'école de police, mais nous tous qui là, nous capables de faire recherche, si nous ne pouvons pas faire déjà, qui ça pour l'école de police? Ça nous gagne là, son espace, son école de police au rappel. 29 ans après, nous n'avons pas d'académie, nous avons une académie de police et école de police, nous n'avons pas d'académie de police. C'est ça que fait dans la police là, même si vous avez plusieurs diplômes universitaires, de vous voulez rentrer dans la police là pour avoir une formation avec toutes et après tout même genre. Ou quand vous avez saisi la promotion, même sous votre diplôme universitaire, promotion qui était quitté dans philo, bien dans le réto, il était rentré à l'effet que des amis, tel politicien, tel député, sénateur, président, ou bien ses amis, tel directeur ou chef de la police là, ou garder où elle est grade sous l'eau, ou même pas chambre. 29 ans après, c'est la police ça. 29 ans après, nous avons la police qui aujourd'hui n'a pas capable de population de sécurité. Pour qui ça? Le projet qui est gagné, c'est un bel projet. Mais, ils ont mis en lui campé. Il va lui vivre dans la poubelle. Il va gagner l'hôpital. Il va gagner sa santé. Il va gagner une police qui peut servir la population. SPNA 17, c'est ça. Les paroles, c'est ça. En guise de fête. C'est travail ça. Honoré mais moi ça mourir yo, qui allait yo, les agents et à commissaire divisionnaire, et puis dit nous voulons l'autre police. Société a besoin de l'autre police. SPN a dit c'est pas de travail pour l'autre police. A présenté nous, nous avons une bonne autorisation à femme. Pendant 29 ans, qui mourit
29 ans la police nationale, d'habitude chaque année, un petit groupe fêté, un petit groupe dépensé un pile million ou un pile champagne. Pendant ce temps, la majorité a toujours continué à souffrir. Nous gardons dans le mur, tout journaliste, well, nous exposé, sorti agent 1, privé, commissaire divisionnaire, ces derniers grecs de la police. De façon qu'on dit, je vous dis, SPNH, syndicat de la police, SPNH 17, lycée, un syndicat qui a défendu le roi policier, comme les policiers qui mourent, policiers handicapés, policiers malades. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de question de rang, quel que soit le policier qui doit le violer, SPN 17 défend. Dans l'histoire de la police, là, si nous voulons parler de d'abord, policiers qui mourent, nous ne pouvons pas commencer avec nous. Nous parlons de photo là, mais c'est lui-même que nous présentons d'abord. Christine, Marie, Christine, jeune. Si nous avons là, je veux dire, dans nos SPNH, si SPNH 17, syndicat de la police, là, tu as parlé de 22 ans la police, tu as parlé de Christine, jeune. Enfant, une femme voyante qui est dans la police là. Parmi les 15 premières femmes qui sont dans la police, là, la première promotion. Les avant de mourir, en 96, quelques mois après, il était refusé. Puis c'est la main. Avec Bendy. Christine Jeune, il était mon parole, les bonnes paroles qui étaient aujourd'hui, que je dois répéter pour les policiers. Parce que nous-mêmes, dans SPNH 17, nous avons prôné une police sans corruption. Une police côté jeunes garçons, jeunes femmes honnêtes, capables de passer main dans la population. Parce que la police, avec la population, doit marcher côte à côte.